Tiens, regardez ce que j'ai trouvé. Thèse de l'été, êtes-vous la femme d'un seul homme? Elles ont répondu? Partout. 99% des hommes abandonnés le sont pendant les vacances. Excellent. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? Qui sont dans ce canard pour savoir ce que c'est que l'idéal? Tu trimes sang et eau toute l'année pour leur payer la neige à Noël et le soleil en mois d'août et comment elles te remercient, ces ingrates? Parties? Elles sont parties. Par un caprice de mes deux. Comment ça, parties? Je sais pas, moi, elles sont parties. Oh, change de disque. Salope. Mesdames, imaginez un moment de pur bonheur. Je pose bordel. Fini la vaisselle. Même pas foutu de leur faire une lessive avant de partir. Les enfants, les courses. Ben voyons. Bref, oubliez le quotidien. Papa, j'ai faim. La chasse est cassée. C'est shiny ici. Pour des vacances, des vraies. Juste la semaine où je décide d'arrêter de fumer. Jusqu'au bout, elle me fera chier. Quel est le con qui a fait ça, merde? Putain, mais c'est mon Paul Smith. N'importe quoi. Ma bière, tu la vois pas? Ça, tu m'étonnes qu'elle soit barrée. Je suis entièrement solidaire avec elle et j'espère qu'elle va bien s'éclater. Toutes des chiennes. Il y a toujours autre maman. On a mis du petit déjeuner. Il aurait pas un petit pantalon, la Mairie Corée? C'est pas étonnant qu'elles aient pris des vacances, vos femmes, parce que moi, je tiens pas deux jours à ce rythme-là. Va ta gueule. On est au top, entre mecs. Au top. C'est comme ça. Et merde. Je t'aime comme un dieu qui se meurt. Bien. Août. Ça va pas être des vacances pour tout le monde.